Oui, salam habibati, j'espère que vous allez bien. Ana alhamdoulillah, on a kulchi laves. Aujourd'hui, je suis venue vous voir pour vous parler de ma grande balade d'hier, que c'était excellent. Il faisait beau, il y avait le grand soleil. Malheureusement, aujourd'hui, il fait gris. Donc moi, je vous encourage de sortir surtout dans la nature pour aller chercher de l'énergie et ne restez pas enfermés parce que ça joue sur le moral, ça rend même malade. Il n'y a pas que la dépression, même le physique, le corps, il souffre de ça. Donc je me suis évadée dans les hauteurs de Martigues et c'était chouette. Parce que Kouchalia, donc ne rigolez pas trop, c'est ma façon de faire. Donc bon visionnage. Et à très bientôt. Je vous demande de me laisser des commentaires, des conseils, même des critiques, mais pas trop, hein, pas trop. Bisous. Voilà, c'est désertique, mais c'est pas grave. Direction un bel endroit que j'adore, que je visite dès que je peux, et je vais partager cette sortie avec vous. Je vous fais de gros bisous et je vous laisse admirer tout ce que je vous montre. Ça serait la nature, la belle nature, comme je l'aime. Voilà, Bibiati. نهار مليح الشميسة تهبل والله تنحي على القلب القاضي هاي الامازوني تاعي انايا والله نتأنس بالفراخ نتأنس بالفراخ حبيباتي هاد البلاصة هادي في الشتا راكو تشوفو فيها بكل خضرة دركا مايبتكوش الربيع مي في الشتا سا دوفيان ان لاك في الشتا هادي ديسي جوسكا لا بلافا اون فاس كو دو لو بيرسون نو بو باسي اي دوكو سا في بيزار دو فوار سي ترو لو سا في بيزار دو فوار الدنيا منورة ونايض الحشيش Mes amis, je vais vous faire une petite confidence aujourd'hui et je vous montre ce que je pratique moi. Ça s'appelle la sylvothérapie. C'est de faire de gros câlins aux arbres. Voilà, pour chercher la force naturelle en profondeur et plein de sérénité. Du coup, j'ai choisi cet arbre qui est immense. Regardez sa grandeur. Et durant ma balade champêtre, les amis, voilà ma trouvaille. Je vous ai parlé un jour des baies de Geneviève. Je vous ai dit qu'on la trouve dans les forêts méditerranéennes. Ben, c'est ça, ce qu'on appelle en arabe le helmouche. C'est délicieux, je vais me régaler. Voilà, je prends une petite pensée à vous, hein, celles qui connaissent surtout. Regardez, les amis, je suis en train de me régaler. C'est un bonheur. C'est mystique, c'est mes bonbons, ça me rappelle des souvenirs, c'est délicieux. Bisous quand même, je penserai à vous. Hein. Voilà mes amis, je fais la cueillette des Genièvres, regardez, Genièvre, je le prononce bien pour vous. Voilà, voilà, il y a du monde qui profite bien de la mer, regardez, c'est super. Et un voilier de loin, c'est moi. Mes amis, tout ce que j'aime. Le calme. On entend la nature et on a des petits signes, des rayons de soleil, des oiseaux. C'est le paradis. Ça et vous allez comprendre pourquoi j'aime l'Amazonie moi. Il y a même des bêtes là, ils sont en train de bouger là dans le buisson. Donc on va pas partir d'ici, ça peut faire quand même. Bon, mes amis.
silence de la nature n'a pas de prix. On ne trouve nulle part ailleurs, ni en ville, ni chez soi, ni au bord de la mer. Rien. Regardez les rayons de soleil passent par les arbres et un silence complet. C'est apaisant et j'espère que vous allez admirer tout ça en même temps que moi. Vous allez aimer ce moment. Et je vous montre. En fait, il n'y a aucun risque ici. Le seul risque, c'est les sangliers. L'endroit est surpeuplé de sangliers, mais normalement, ils ne sortent pas la journée. Une seule fois, j'ai eu quand même l'honneur de les croiser. Ça faisait peur. Hein. Parce qu'il y avait une maman sanglier avec des bébés qui la suivaient et on est sortis nez à nez et du coup je m'aventure pas trop dans les bois mais je fais attention quand même. Les amis, ceux qui connaissent les glands, je coule les mecs final de l'autre et hub, regardez, il y en a plein là. C'est vraiment regardez, il y en a beaucoup. Je vais faire la cueillette, hein. Je gratte toujours, je gratte. Les amis, les herbes fraîches là, sauvages. C'est là que je fais mes. Regardez. Avec la fleur. Ça, c'est le grand marin. Et j'ai le teint qui est très beau. Je vous montre. Il y a même du frais. Regardez-moi cette beauté. J'ai pas envie de rentrer. Regardez. Merci, Mère Nature. Alhamdulillah, Ya Rabbi. Ni'ma ta'a Rabbi, subhanallah. Je vois le plein de Dieu. Je vois les bêtises. Le printemps, on dirait le printemps. Voilà, j'ai changé d'endroit et le madarb aziz aliya bzaf le bnat. Chouf el medina wen rahi. Si c'est un grand champ de lavande, je vous montre maintenant. Inch'Allah, Rabbi la tawwa, Rabbi la amour. N'aoud n'sawarkom lkom f rabi ki dir ça fleurit et ça devient beau, un petit coin de paradis. Voilà. Et du coup, moi je tiens à garder le souvenir des saisons, à regarder comment que c'est beau. Et bien, moi j'adore. J'adore. Il y aura des ruches d'abeilles, donc il y aura du bon miel, pas très loin d'ici. Voilà les amis, je suis sur le chemin de retour, Inch'Allah. Pour l'instant, j'ai encore de la marche à pied jusqu'à, on va dire, un petit kilomètre pour prendre la voiture. Là, c'est tranquille, c'est calme et ça sent le... Regardez, le romarin, il y en a partout. Ça sent le romarin. Et regardez, une petite trouvaille aussi, c'est les baies roses. Ce qu'on achète pour faire pour le poisson et certains plats, certaines viandes. Voilà, c'est ici, je reviendrai pour faire la cueillette, Inch'Allah. Aujourd'hui, c'est trop tard. Et en plus, la feuille, elles sont trop bonnes. C'est vraiment divin. Je reviendrai. Là, j'ai fixé rendez-vous, je reviendrai. Et merci, Mère Nature. Ça vaut de l'or, mes amis. Regardez. On dirait, regardez. Sur cette petite touche colorée pour vous tous mes amis, plein d'espoir et de belles choses. Bisous.